Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Palmi Sakma pour la Kaye. D'abord, nous voulons excuser nous auprès des amis du fait que nous pas de live dimanche qui s'est passé. Nous avons vraiment pris. Donc, nous avons fait effort pour aujourd'hui lundi à compter de 9h pour capable d'attendre nous. Je dis à ça, nous venons parler. Nous venons parler de Chambre députée. Nous venons parler de Chambre députée qui, justement, c'est un pion important et pour que la démocratie soit capable qu'une majorité dans 2 ans qui était. Et pour mandat Biden, nous pourrons le compte ça dans le mois de novembre là, parce que ça vous comprendre, ça a baissé tout là. Dépendamment du résultat de l'élection, ça y est, ou Kavin ou que vous tendez plusieurs ministres, plusieurs directeurs, il y a Sobina, il y a Prélé ou dans le Parlement, poser vos questions, ou capable de gagner en présidence de Biden, côté que ça n'est capable de une persécution continuelle et à la fois de ministre Biden, du directeur général, Mayorkas. Et ou capable de tout ouvrir des enquêtes sur petit Biden, Hunter Biden. En d'autres termes, si jamais les républicains yo arrivent pour la chambre des députés, ils sont tout simplement pour dégager ou démêler pour qui est capable de sale image justement la présidence de Biden. Maintenant, on essaie de comprendre qui est là, il y a un moment où je parle avec nous. Dans un moment où je parle avec vous, là, bien entendu, on a parlé de chambre des députés. Mais j'en ai. Ou gagné. Il y a une chambre députée qui gagne 219 démocrates et 211 républicains. Ça veut dire. Ou gagne seulement 8. Vous comprenez, j'ai un match là. Ou gagne démocrates, ou gagne seulement 8 députés en plus. Ok? En différence des 8 qui ne vaut grand chose. Et ou gagne Sandarele 5 vacancies. Ça veut dire 5 postes vides, peut-être qui ça parce que. Gagné n'importe 3 monde qui mouri, yon qui te mouri en mois de mars, mois de mai, bah c'est gagné un qui fait mouri là tout son républicain et dans mois d'août là. OK, ou gagné 3 qui mouri ou gagné 2 qui remettent démission. Donc ou gagné 5 postes vides. OK? Et dans 5 postes vides là, je crois c'est 2 démocrates qui gagnent là-dedans, 3 républicains. OK? Dans 5 postes vides qui gagnent. Donc ça veut dire. Ça veut dire que c'est une situation, parce que lorsqu'il y a seulement 8 députés, c'est une situation qui est très flexible et qui facilement, dépendamment de gens et élection novembre passé, est capable de perdre la majorité. Ça. Mais vraiment dire que les prédictions sont sombres. En plus, le monde te parlé que vous ne voulez pas les démocrates pour le perdre. Mais je ne vous dis pas, ce n'est pas aussi évident. Puisque nous, à quel. En fait, on dit nous à 2 mois de l'élection et momentum là c'est pour démocrates qui lié dans moment. Donc ça qu'arrivé que nous dit bien ça qu'arrivé et ça a été annoncé à pas fait. Mais c'est élection personne monde pas gagne certitude. La vérité côté qui va décider qui groupe qui va contrôler chambre Sénat, n'a parlé de est-ce que c'est démocrate sous la direction du speaker of the house Nancy Pelosi. Ou encore, est-ce que Nancy Pelosi peut aller remettre bâton, il peut aller remettre gravel ça, by MacArthur. Mais on nous dit, l'Ibral dépend de, principalement de la Californie. Californie, c'est une state qui peut déterminer si effectivement démocrate a créé majorité. Ok? La vérité, c'est que le plus souvent, lorsqu'on finit fait 2 ans au pouvoir, ça nous est les mid-term élections, élections en mi-temps, et. Le plus souvent, parti au pouvoir, justement, ont tendance pour perdre la majorité dans la Chambre des députés. OK? C'est ça. On dit le plus souvent. Mais l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement. Il n'est pas condamné pour le repos du même bagage. Là. Il y a un ensemble de facteurs qui sont capables de faire. OK? Et véritable résultat, là, j'en ai gagné une certitude, une garantie. Il n'y a pas qu'on finisse ça dans le moment où on a parlé. Là. Donc, Californie a gagné un pile à 10. Californie, justement, pour avoir un rôle déterminant, c'est qui est-ce qui pourra le présider, qui est-ce qui pourra le diriger, Chambre des députés, pour janvier, Capvin. Raison en plus, le monde croit que démocratie, tu penses que c'est fini, mais tel n'est pas le cas, et Jean Donéo vini là. Et démographique de Jean Californie, il est républicain. Yo, si vous voulez pour majorité, il y a besoin pour yo mettre des yo pour petit 4 démocrates incombants.
Il dit 4 députés démocrates pour capable capturer chambre députée pour changer mathématiques là. Puisque il y a gagné 5 républicains qui n'en poste qui trouvaient dans des districts divers côté démocrate, il y a gagné pile opportunité pour gars pour qu'un bébé. Par contre, il y a gagné 5 républicains dans zone où justement il y a capable perdre. OK? Donc concentré pour t'a changer de quelques sites démocrates qui gagnent en Californie, justement, c'est un objectif majeur si effectivement vous voulez qu'il y ait une majorité. OK? Donc voilà, et pour capable comprendre le rôle California en tant que state pour jouer dans contrôle majorité au niveau des chambres députés qui viennent là. En fait, on peut comprendre le prix à payer par les républicains si effectivement ils perdent 5 postes. C'est ça qui est réalité. Ils sont capables de perdre 5 postes. Puisque la Californie gagne en fait qui sont zones qui très diverses et succès dans compétition yo et mandé pour candidat gagner ça nous donne une compétence culturelle et comprendre priorité et intérêt de chaque groupe couleur yo justement qui sont facteurs importants et dans contexte ça qui parlait de là-dedans qui parlait de des sites des postes qui vulnérable de la part des républicains et yo parlé de agents américains qui a joué un rôle important. Ou gen Orange County California et qui ont pile monde te considérer c'est une rare zone en California qui était ça relé un stronghold républicain lorsque il était en majorité white mais démographie a changé qu'on est là. OK, blanc ou vin ou minorité représente 38%. Voilà. Donc, bon changement démographique, tout qui fait en Californie, qui expliquait et causé ça. Et donc, voilà et des analyses profondes qui montrent qu'effectivement, Californie est capable de changer de donner et couper coup à tout espoir et de la part des républicains pour bon pouvoir. Maintenant, il y a l'autre côté encore qu'on n'a pas souligné, c'est New York. New York est. Ça pour nous comprendre, New York pas depuis plus que 20 ans, dans ce state, New York pas jamais mette un républicain. Ok? Donc, chez moi, pour contrôler à où cela, justement, c'est arrivé, je vois, et quelques sites au niveau de New York qui sont véritables handicaps. Ok? So, et voilà, et son façon pour montrer que qui j'ai en route pour que républicains ou pour majorité ça assez difficile. Mais tout ça n'a pas dit c'est politique. Politique qui j'ai en lié un événement qui va passer et puis il y a des influences. Un événement qui va passer il fait grand bon monde qui choisit dit bon m'a chita la caille pour que ça. OK? Donc c'est comme ça pour nous comprendre. Donc voilà, c'était une analyse pour nous comprendre qui j'ai en bagarre pour passer mais ça nous le dit et que si effectivement les républicains yo prend contrôle chambre député a donc tout le monde qui n'a pas pouvoir Biden yo met ranger corps yo yo parler relé en interview yo parler relé tout côté donc yo va faire ça une sorte de revanche. OK, donc c'est comme ça pour nous comprendre cause ya. Donc voilà guys, on te pote analyse ça pour nous, c'était un plaisir. Bye bye tout le monde.